Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les 10 transferts les plus improbables du FC Barcelone. Alors forcément, vous êtes au courant, Martin Braithwaite a signé au Barça. C'est clairement lui qui m'a donné l'idée de ce concept-là. Si vous kiffez, n'hésitez pas dès à présent à lâcher un like et on est parti avec la vidéo. Let's go! Comme je vous disais dans l'intro, bien sûr, Martin Braithwaite a rejoint le FC Barcelone en provenance de Leganés pour un transfert avoisinant les 18 millions d'euros, qui est tout simplement le montant de sa clause libératoire. Et je peux vous dire que ça a étonné bon nombre d'observateurs, puisque Braithwaite, au final, n'a pas prouvé grand-chose, notamment à Leganés en Liga, ou tout simplement lors de ses passages à Bordeaux ou à Toulouse. Après, je vais pas être trop dur avec lui, son premier match contre Eibar a pas été si dégueulasse que ça, il a pas joué énormément, mais en tout cas, c'est plutôt encourageant pour la suite. Mais bon, on va pas se mentir, ça reste quand même un transfert assez étonnant. On poursuit ensuite avec Kevin Prince Boateng qui lui clairement a fait de la merde au Barça. Il était arrivé en provenance de Sassuolo en Serie A pour un prêt payant 1 million d'euros et clairement il est arrivé au Barça dans la plus grande des incompréhensions. 4 matchs plus tard, il a signé à la Fiorentina avant de partir en Turquie au Beşiktaş. Bref, Kevin Prince Boateng c'est clairement un flop au Barça, personne n'a compris pourquoi il avait signé. Il avait tout simplement pas le niveau pour jouer dans un grand. Ensuite on a Jason Murillo qui est arrivé pour pallier aux blessures en défense centrale et clairement c'était pas forcément le type de défenseur central qu'on s'attendait au Barça. C'était un joueur moyen de Liga qui avait prouvé 2-3 choses du côté de Valence, qui s'était enterré un petit peu à l'Inter Milan où il jouait pas beaucoup, mais clairement on n'a pas compris pourquoi il avait signé au Barça et il aura pas fait beaucoup de matchs, il sera parti directement. Donc ça fait partie des transferts assez improbables en Catalogne. On reste en défense avec Jean-Clair Todibo qui lui certes était arrivé en tant que défenseur prometteur, il avait que 20 ans mais il avait tout simplement également que 19 matchs, toutes compétitions confondues dans les crampons depuis ses débuts professionnels à Toulouse. Et moi ce qui m'a fait le plus mal c'est quand il a porté le numéro 6, le numéro de Xavi qui reste quand même un numéro emblématique. On peut pas le donner à n'importe qui, Todibo est arrivé au Barça par la petite porte. Pour moi il méritait pas forcément de porter un si gros numéro. Et là comme vous le savez il est parti cet hiver à Schalke 04. Et selon moi c'était nécessaire pour qu'il lance sa carrière puisque tout simplement au Barça il n'allait pas faire grand chose. On passe ensuite avec Paulinho, c'était durant la saison 2017-2018. Et c'était difficile quand même de comprendre pourquoi le Barça avait décidé de recruter Paulinho qui évoluait à l'époque en Chine au club du Guangzhou Evergrande. Il l'avait payé quand même 40 millions d'euros pour Paulinho. C'était un joueur qui avoisinait les 30 ans, donc c'était assez improbable de le voir signer au Barça, surtout pour cette somme là. Après on a eu de la chance puisqu'il a vraiment eu un très bon rendement. Enfin en tout cas moi j'ai été très très content de Paulinho. Il a mouillé le maillot au Barça, il a vraiment été très important. C'était un milieu tout terrain, un peu comme Arturo Vidal actuellement. Donc après il n'y a pas eu trop de pertes au niveau économique puisqu'ils ont réussi à le revendre à peu près la même somme qu'à l'achat, mais c'est vrai que son arrivée a été quand même assez surprenante. On poursuit ensuite avec Aleix Vidal, le latéral espagnol qui est arrivé en 2015 et qui est reparti en 2018. Alors il s'agissait tout simplement d'un grand flop, un transfert improbable à 17 millions d'euros en provenance du FC Séville. Franchement je trouve que le Barça s'était un peu trop affolé sur Aleix Vidal. C'est vrai qu'il cherchait quand même une doublure à Dani Alves qui se faisait vieillissant et il fallait quand même préparer l'avenir, mais clairement Vidal avait fait quelques bons matchs du côté du FC Séville, mais c'était pas du tout suffisant pour jouer dans un grand club comme le Barça, et on l'a vu puisqu'il a complètement raté ses saisons. On passe ensuite avec Douglas, même poste, mais de nationalité brésilienne. Il devait être tout simplement le miroir de Dani Alves. Comment vous dire que ça n'a pas du tout été le cas? Il a été recruté pour 4 millions d'euros en provenance de Sao Paulo. Alors clairement, c'était un coup à la Zubizarreta qui nous ramenait des joueurs dont on ne connaissait pas du tout le niveau. On nous a vendu Douglas comme un très très grand latéral brésilien, mais c'était tout simplement un échec. Plus de perte que de bénéfice. Ensuite, on a Jérémy Mathieu qui lui est arrivé en 2014. Donc pour Jérémy Mathieu, ce qui a été assez surprenant, c'est plutôt son transfert puisqu'on a avoisiné les 20 millions d'euros pour un joueur qui avait quasiment plus de 30 ans, ce qui reste quand même une somme assez conséquente. Et de plus, Jérémy Mathieu n'était pas non plus un défenseur extrêmement reconnu. Après, un peu à l'image de Paulinho, il a quand même fait de plutôt bonnes saisons à Barcelone. Donc on peut pas vraiment dire que ça a été un flop. C'est plus un transfert improbable qu'un flop. Après, c'est vrai qu'au moment de la revente, ça a été un peu compliqué puisque le Barça n'a pas réussi à récupérer la somme investie. Mais bon, Jérémy Mathieu pourra se vanter d'avoir joué avec Messi ou encore André Iniesta. On passe encore en défense centrale avec Dimitro Chigrinski qui lui était arrivé en 2009 et acheté pour la somme de 25 millions d'euros au Shakhtar Donetsk. Il avait disputé que 14 matchs avec les Blaugrana avant de repartir en Ukraine. Mais clairement, on pouvait dire que son style ne s'accordait pas du tout à la philosophie du Barça. Ce qui était assez surprenant, c'est que c'était Guardiola qui souhaitait à tout prix le voir signer au FC Barcelone. Mais bon, on peut dire qu'il s'est trompé à ce niveau-là. Et on termine avec un très très ancien
ancien joueur, et il fallait que je le mette dans cette vidéo, c'est Christophe Dugarry, un transfert tout simplement improbable pour un joueur qui à l'époque n'avait encore rien gagné avec l'équipe de France et qui sortait d'une saison terne avec le Milan AC. Pour autant, ça n'a pas empêché le Barça de miser 4 millions d'euros sur l'attaquant français. Bilan, 0 but marqué. Alors Christophe Dugarry peut se la péter en tant que consultant ou commentateur ou je ne sais quoi sur RMC, mais clairement en tant que footballeur, il était bidon. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les transferts les plus improbables du FC Barcelone est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, lâchez le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.